Alors, Monsieur Petit, bonjour. Bonjour. Alors, vous représentez bien sûr, enfin, vous êtes le président même de l'association Jean-Baptiste Charcot. Oui. C'est un club philatélique. Philatélique polaire. Alors, polaire. Alors, justement, polaire. Je voudrais que vous rentriez un petit peu dans les détails. Oui, c'est toutes les collections de timbres sur les territoires arctiques et antarctiques. Timbres et souliers philatéliques, peut-être Timbres et puis documents, tous les documents, anciens comme nouveaux. Alors, j'ai vu que vous aviez 300 membres, mais sur Amfreville ? Ah non. Nos membres sont répartis en France et en Europe, aux États-Unis, au Canada. Ah, il y a des échanges, oui, donc, au niveau international. Oui. On en a eu aussi au Japon, Corée. Les adhérents viennent du monde entier. Mais sinon, sur Amfreville-Mirevoix, il y a combien de membres ? Ben, deux. Deux, oui, en effet, ça fait peu. Alors, si vous vouliez susciter une vocation pour ce genre de collection. Non, mais vous savez, c'est une collection un peu spéciale. C'est, disons qu'il faut vraiment être passionné par la recherche polaire et même la recherche sur les hommes qui ont découvert les terres antarctiques ou arctiques. Mmh. C'est pas comme de la feuilletage normale. C'est pas une question de coller des timbres sur des feuilles. C'est vraiment spécial. C'est vraiment un passe-temps, un hobby qui est lié à ça. Le souvenir et le timbre polaire. Mais il y a beaucoup de recherches. Je m'en doute. Ouais. Alors donc, c'est des timbres qui vous viennent en plus de différents pays, parce que niveau de la recherche, c'est aberrant, ça. Ici, à Paris, il y a l'agence des timbres d'outre-mer qui nous vend les timbres des terres australes et antarctiques françaises. Sinon, par exemple, le Groenland qui vend des timbres qui sont évidemment tout à fait pour notre collection. Sinon, tous les pays font des timbres avec un sujet un jour ou l'autre sur l'Antarctique ou sur les régions polaires. Les Américains en ont fait, les Russes en ont fait beaucoup. Même le Japon, enfin bon, la plupart des pays en font. C'est pas vraiment. En font pas des grandes quantités, mais en font un petit peu. Alors on dira que sur Rouen, bah, vous êtes peut-être que deux membres. Attention, en région rouennaise, nous sommes quand même, disons, une 25-30 ans. 25-30, oui, sur la région rouennaise. D'accord. On va peut-être laisser un contact, hein, oui. Avant de se quitter, oui. Au cas où il y aurait des gens qui voudraient rallier la cause, si je peux m'exprimer ainsi. Donc c'est à Amfreville-la-Mirevoix, 29 Côte de Grès. Donc c'est. On va peut-être citer un numéro de téléphone. Oui, c'est le 35 88 04 86. Et c'est Monsieur Petit qui en est le président. Mais sinon, on fait souvent de la publicité sur les journaux philatéliques. Nous avons aussi participé à des œuvres pour le sauvetage en mer.